Hey, salut à toutes et à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et Tonton Tacos, aujourd'hui, voulait vous présenter encore un nouveau glitch. C'est vrai que ça vous fait plutôt kiffer les glitchs en ce moment sur la chaîne. J'ai l'impression qu'il y a des meilleurs retours. Donc écoutez, je vous en présente un tout nouveau qui n'est bien évidemment pas de moi non plus. Aujourd'hui, les copains, on va vous montrer un glitch. Vous savez, un petit peu comme le dernier chapitre, il y avait un bug pour aller sur l'île principale avec l'accueil créatif et en fait apporter tous les objets du mode créatif sur l'île principale de Fortnite. C'est plutôt pratique pour le faire en terrain de jeu ou bien en créatif directement avec vos amis sur la map, pouvoir vous amuser, les troller, etc. etc. Les objets que vous voulez à l'infini, mettre des plaques de vitesse, les anciens véhicules qui ont été retirés du jeu, avoir toutes les armes, les munitions illimitées. Par exemple, si vous voulez vous amuser à pêcher les armes, vous pouvez vous amuser à construire des constructions à côté. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser, faire ce que vous voulez, quoi. C'est ça qui est cool. Donc aujourd'hui, on va vous montrer la technique. Mais juste avant, les copains, je vais vous encore vous saouler. Je sais que ça vous saoule, mais les gars, je suis obligé de vous le rappeler. Vous y pensez pas sinon. Pensez à vous abonner. Voilà, si vous êtes à nouveau, vous vous abonnez à Tonton Tacos. Vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous n'importe comment. Également pour les copains déjà abonnés, vous me likez et vous m'explosez le compteur de likes de cette vidéo. Pour les intéresser également, je vous invite à mettre vos comptes Epic Games dans les commentaires. De temps en temps, quand je peux me le permettre, je ferai des cadeaux à ceux que je vois marquer le plus de fois leur compte dans les commentaires. Oui, parce que comme ça, moi, je peux gratter aussi les commentaires, hein, tant qu'à faire. Et puis surtout, voilà, mettez le code créateur affiliate parce que c'est les sous du code créateur que je vais réinvestir pour vos cadeaux. Plus un soutien dans la boutique, plus vous mettrez le code créateur nombreux dans la boutique et plus je pourrai faire des cadeaux. Parce que s'il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas d'oseille, je peux pas en faire malheureusement. Les réseaux sociaux Rarefeed tout partout, le Twitch très important, on va faire des lives là-bas bientôt. C'est Rarefeed, Rarefeed sur tous les réseaux, Snap, Instagram, Facebook, etc. Et Twitch également. Tout est en description. Je compte sur vous pour aller me follow là-bas et on passe aux explications. Et pour ça, les copains, aujourd'hui, on est avec l'unique, le cher, le désiré, le grand Ieb. Non, c'est Monsieur Malais. Mais Ieb, en fait, on a déjà filmé la vidéo juste avant, mais je me suis tellement raté, j'ai tellement bégayé qu'on l'a refait une deuxième fois. Je disais sur la première vidéo qu'Ieb, à chaque fois qu'on le voit et qu'il vient dans une vidéo, sa voix l'a muée, on dirait une nouvelle personne. Non, c'est faux. Bah écoutez, c'est parti, on lance l'île. Ieb, toi l'honneur, hein. Les femmes d'abord. Enfin, quoique non, c'est moi d'abord du coup maintenant. Attends, ta voix est tellement grave maintenant. Donc vous lancez votre île créative pour ça. Vous pourrez également faire le glitch en terrain de jeu. Pourquoi? Parce que moi je vais vous créer un code maintenant, là sur la vidéo, pour que vous puissiez importer cette île sur votre terrain de jeu et faire du coup le glitch aussi en terrain de jeu. Comme ça on peut le faire en créa, mais aussi en terrain de jeu pour le fun avec vos amis. Voilà, donc là vous avez le code à l'écran les copains. Hop, ici, si vous voulez du coup faire le glitch. D'ailleurs pensez au code créateur, hein, l'île elle vous le proposera. Ce serait cool. Bon, une fois que vous avez mis le code créateur... Le code créateur, une fois que vous avez mis le code de l'île, pardon. Là, ça y est, c'est plus fort que moi. Par instinct, mon esprit veut gratter le code créateur aux abonnés maintenant. Ça y est, ça coule dans mes veines maintenant. Ça y est, je suis devenu un youtubeur. Je vais mettre tous les youtubeurs à dos. Donc, pour le glitch, c'est simple. Donc, vous allez dans vos paramètres d'île. Donc, du coup, si vous le faites en terrain de jeu, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. Hein. Vous avez juste qu'à mettre mon île. Sinon, vous allez dans les paramètres de votre île. Vous allez dans. Attendez, je vais vous dire tout de suite. Donc, vol du joueur. Vol du joueur, vous êtes obligé de l'activer. Vous mettez oui. Vitesse de vol, vous mettez 3. Donc, la vitesse, ça vous permettra d'aller plus vite. Puis, bon, le vol du joueur, c'est obligatoire. Sinon, vous ne pourrez pas faire grand chose et le glitch sera un petit peu inutile. Donc, vous pouvez mettre la gravité si vous voulez vous amuser. Vas-y, moi, je vais la mettre très forte. Non, très faible. Comme ça, on va pouvoir voler. Dégâts tués, vous pouvez mettre non, comme ça bah, vous pouvez vous amuser facilement. Vous pouvez mettre du coup selon vos préférences. Hein. Vous pouvez mettre des constructions à l'infini, la santé que vous voulez, la luminosité au minimum. Hein. Mettre la map dans le noir, ça peut être marrant ça. Voilà, hop. Bon, vous mettez ce que vous voulez, en tout cas. Ensuite, vous allez dans le jeu, vous allez dans... Donc voilà, lieu d'apparition. Vous mettez dalle de réapparition. Lieu d'apparition après un jeu, entrée de l'île. Mais le plus important, c'est rejoindre un jeu en cours en tant que vous mettez joueur. Comme ça, si quelqu'un est déjà dans votre île, bah vous pourrez tout simplement re-rentrer dans le jeu sans être en spectateur. C'est le principe même du glitch. Comme ça, quand vous revenez dans votre île, vous pouvez directement jouer et garder les avantages du mode créatif. Donc là maintenant, la manipulation est vraiment très simple. C'est comme tous les glitchs, il fallait la connaître tout simplement. Donc là, vous êtes obligé d'être avec un collègue. Si vous n'êtes pas avec un collègue, vous ne pourrez pas faire le bug parce que vous ne pourrez pas revenir en tant que joueur dans votre île. Donc vous devez être avec un copain. Voilà. Je vous conseille d'adopter un Ieb sauvage pour pouvoir faire le glitch aussi chez vous. J'aime bien, c'est qu'en fait, tu vois, mon humour est pourri, mais quand je fais des blagues avec toi, tu rigoles tout le temps, Ieb. Donc ça donne l'illusion aux abonnés que je suis drôle, tu vois. Bon, vas-y. Donc une fois que vous avez validé toutes les options qu'on vous a données sur le jeu, le concept du glitch, en fait, c'est super simple, en fait. Comme votre pote, lui, il est avec vous, vous allez pouvoir quitter la partie, il la rejoindre ensuite, et comme la partie est lancée, et que vous avez quitté, vous allez vous retrouver au menu, alors que la partie est lancée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment... C'est comme avec tous les glitchs, il faut juste connaître la méthode, mais en fait, c'est super bête en soi. Donc là, vous allez sur mon île, vous allez cliquer sur lancer une partie, et le plus vite possible, directement, vous faites start. Enfin, moi, c'est sur manette, quoi, donc c'est start. Vous, c'est échappe si vous êtes sur PC. Vous allez faire quitter le mode créatif. Vous êtes prêts? Donc, on va le faire en vitesse. Quitter le mode créatif, croix, hop. Donc j'ai fait le plus vite possible, j'ai lancé le jeu. Donc le mode de jeu là il est en train de se lancer actuellement, pourtant j'ai quitté la partie. Donc ensuite, vous allez retrouver à l'accueil, et c'est là que votre copain du coup entre en jeu, puisqu'il est dans la partie encore. Donc là vous relancez,
Et ce qui est bien avec ce glitch aussi au passage, c'est qu'il permet de faire deux ou trois glitchs en même temps, entre guillemets. Donc là, vous allez vous retrouver à l'accueil. Donc déjà, premier glitch, vous pouvez aller dans l'île que vous voulez. Donc vous pouvez aller dans les îles de vos amis ici et tricher. Admettons qu'il y en a qui est mis à Death Run. Bah vous pouvez voler dans son Death Run et du coup aller où vous voulez. Petit glitch sympathique si vous voulez troller vos amis. Sinon, le plus fun quand même, c'est lorsqu'il y a des événements ou des trucs qui se passent dans le jeu, etc. Ou bien quand vous allez pêcher, je sais rien. Quand vous allez vous amuser en terrain de jeu, ou bien même en créatif, du coup, vous pouvez prendre les téléporteurs et aller dans la map. Et du coup, selon les paramètres que vous avez indiqués dans votre partie privée, vous aurez tous ces paramètres d'appliquer sur votre île principale actuellement. Donc admettons que je mets 10 000 points de vie, et ben dans le terrain de jeu, j'aurai 10 000 points de vie. Admettons que je mette 10 000 de shield dans la map, ben j'aurai 10 000 de shield aussi. Vous pouvez activer les paramètres que vous voulez. Là, par exemple, j'ai activé la gravité, donc j'ai la gravité sur la map. Et c'est plutôt sympa, ça, c'est à faire avec les véhicules. Et donc là, comme je vous l'expliquais, on va dans l'accueil créatif et j'ai tout l'accueil créatif d'apporter. Donc admettons, je veux me faire plaisir et prendre des véhicules pour faire des stunts ou des robots, des plates de vitesse aussi, pourquoi pas. Je vais en prendre un petit peu. Hop, on va prendre ça. Des plaques de vitesse pour me déplacer plus vite. Donc vous allez ensuite dans les coffres, vous les mettez dans votre coffre et vous créez un coffre. Vous l'ouvrez, puis ensuite, bon bah voilà, vous pouvez l'ouvrir autant de fois que vous voulez, vous pouvez le dupliquer. Donc voilà, on peut prendre des véhicules si on veut. Admettons que vous voulez peut-être après du coup revenir sans le glitch, rien ne vous empêche de réapparaître, de retourner dans votre île, de faire un autre glitch ou revenir normalement sans le bug. Hein. Comme ça, vous mettez des coffres avec les armes que vous voulez et ce que vous voulez dans les coffres, puis vous pouvez vous faire plaisir. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que le petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu sur la vidéo. Pensez surtout à vous abonner pour les nouveaux. Puis voilà, on se capte très bientôt pour d'autres glitch. D'ailleurs, au passage, ça risque d'être patché, donc partagez-le avec vos potes, hein. Ça prend 2 secondes. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul, these pills leave you empty and